Écoutez, je tiens à vous remercier de m'avoir aidée. Je suis désolée que les choses n'aient pas pris la tournure que j'espérais. Mais au moins, j'ai pu tenter ma chance. Je sais maintenant que je ne pouvais rien faire. Merci de m'avoir offert cette chance. Oh. À plus tard. Un de ces jours. Eving, voilà. Ok, bah donc, normalement, j'ai plus de quête ici. J'ai tout fait. Je vais avoir la paix. Normalement. Ouais, c'est là. On a récupéré une petite clé qui nous permettra d'arriver dans une planque qui me semble où il y a justement une tenue de... la confrérie de la chaîne, n'est-ce pas? Oh, oui. Et voilà, moi je pense que j'ai fait une bonne partie des quêtes que je voulais faire. Ça a pris 3 ou 4 vidéos, mais... Moi je pense qu'on peut aller faire un petit coucou à César. Hein, je pense qu'on peut aller lui dire bonjour. César, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en pense que ça me semble pas trop mal. Blues de la malchance. C'est vrai que je l'ai pas fait, ça... Oh, je veux le faire, ça, c'est juste à côté. Quelque chose pour veiller sur moi. S'occuper des nouveaux arrivants. Je vais aller voir ça, dis donc. Danny Parker, Ali Dean. C'est comme Aladdin, mais sauf que c'est un peu version ghetto, tu vois. C'est Haledin. Bonjour. Les nouveaux arrivants, je vais vous dire bonjour. Oh. Alors, c'est des clodos, des petits clodos. Squatter Bill. Son prénom c'est Squatter, son nom c'est Bill. Excuse-moi, il s'appelle José. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Clayton m'a dit que vous n'avez pas le droit de rester ici, il va falloir aller à l'œil. Oh, vraiment? Et qui va nous forcer? Il y a demandé gentiment, il en a fait coup une fois. Ok, ça va, on se calme. Je déconne. On y va, hein, les gars? Ok. Hey. Du vent. Du vin. Ouais, je t'en ai fait du vent, bâtard. Salut, papy. Vous vous êtes occupé de ces squatteurs? Oui, Sangoku. Monsieur Cooper, là où vous arrivez? Ça fait plaisir. On n'est jamais trop prudent avec les étrangers par ici. Bah oui. Ouais. Un autre boumeau. Vous avez su y faire avec les nouveaux. Je pense que... Une bande de gus crée des ennuis dans les égouts. Ils sont pas très bien armés. Va m'occuper. Tant mieux. Ok, bon bah. Allons faire la guerre. La bande de fauteurs de troubles. C'est des bâtards de merde. Je vais leur péter la gueule. Plaque d'égout vers égout nord. On va aller péter la gueule à des bâtards de merde. Bah ça semble pas être là. Ça marche. Ah si, c'est là. Qu'est-ce que tu me fais chier, la quête? Pip, 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 pip. À la prochaine intersection, veuillez tourner à droite. Oh, merde. You. Eh oh, les copains. You. Coucou. Qui font dodo? Ils font peut-être dodo? Eh ben, on fait dodo. On dort un petit coup. Ouais. Oui. Je ne fouille même plus. Parce que en soi, mine, j'ai déjà du très bon équipement. Et j'ai surtout les poches pleines. J'ai les poches pleines. Bonjour. Bonjour. Le prochain rat que je vois. Qu'est-ce que tu regardes, enflure? Qu'est-ce que tu regardes, enflure, hein? J'ai entendu dire que vous y avez causé des ennuis. Ah ouais? Va chier, enflure. Les habitants en OSC, combien de temps avant qu'ils viennent vous éventrer, d'après vous? Attends. Et c'est pas faux, ça? Très bien, les mecs. On se tire de ce trou à rats. Je le bouffe. Greasy John. Johnny, blouson de cuir. Blouson de cuir. Mais il n'a pas de cuir. C'était un blouson de cuir sans cuir. C'était un blouson de cuir. Ah ouais, d'accord.
Bon, excusez-moi, je me marre comme je peux, hein. C'était un blouson de queer. Oui. Enfin dans le trou du cul du monde. Oui. J'ai besoin de lumière et je vois pas trop, hein. C'est un peu sombre dans un trou du cul, hein. C'est par là, vite. Pardon. Oui, non, mais c'est à vous quand même que, bêtement, bêtement, tout ce qui est égout, tout ce qui est truc comme ça, mais ça m'a toujours fait penser genre au boyau de la ville ou un truc comme ça. Et enfin, boyau d'une ville. Et alors, en fait, quand tu vois un énorme tuyau comme ça, bah, ça peut te faire penser à un bon gros trou de balle. Ouais, c'est un bon gros trou de balle, c'est le trou de balle de la ville, voilà. Si une ville elle devait avoir un nom, et bah pour Paris ce serait un mausolée. Bouilloule. Allô. Vous vous êtes occupé de ces... Le cas de ces fauteurs de troubles, les gris. Bon travail. Je dois... Ça me fait vraiment évoluer un peu ou pas? Autre chose à me confier. Vous savez, cette fois, allez parler à Madame Ostetler, près de la Crimson Caravan. Je crois que ça... Ok. Ce que j'aime chez vous, c'est votre enthousiasme. Encore avec le... Crimson Caravan. Ils m'aiment bien, sauf que bah, je leur ai fait un coup de pute. Moi, j'aime bien. T'as fait tes prières ? T'aimes voir ton propre sang. Oh, bon, bon. J'adore voir des tétons en gros plan. C'est quoi qui tire ? Ok. Faites votre vie. Faites votre vie, hein. Question niveau, je suis tranquille. Le dragon de la Légion a été entièrement rasé. Ah bon? C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Attends. J'en ai marre de jeu. Excusez-moi, là, je ne comprends plus. Je ne comprends plus parce que le jeu me dit tout dit d'aller là, tout dit de ne pas y aller. Bon. Je ne comprends plus. Il me dit d'aller à la Crimson Caravan, mais ça se trouve c'est pas quelqu'un de la Crimson Caravan. C'était quelqu'un d'autre, je... Ah voilà! C'est quelqu'un d'autre! D'accord. Ok, alors Pedro, l'histoire est la suivante. Tu vas aller voir une madame, tu vas lui demander des pesetas. Mais sache que ces pesetas sont maudits. Ce sont les mauditos pesetas. Si. Est Marsa Intinera. Oh, beaucoup de cas. Oh, il prend beaucoup. Non, le reste, c'est du caca. Des cartouches. Non, les grenades, il y en a marre un peu. Hein. Les pistolets, c'est un peu du caca. Tumerix. Ça, c'est un bon flingue. Je vais voir s'il y a possibilité éventuellement de le réparer ou de me délester un petit peu. Alors, je pourrais en donner à Véronica, mais en fait, ça c'est aussi un truc qui est très con chez moi. C'est le côté où, quand je donne des armes aux PNJ qui m'accompagnent, eh ben, j'ai une fâcheuse tendance à oublier que je leur ai donné. Donc en fait, bah, ce sont des armes, et quand je leur donne, ça disparaît dans les méandres de la connerie. Voilà. Mais d'ailleurs, je pense pas avoir nécessairement le choix. Bonjour. Tiens, Véronica. Vous me refilez tous les trucs lourds, hein? Ouais, mais t'aimes bien quelque part. Boum boum. Tiens, tiens, patron, j'ai trouvé de la dynamite. Un détonateur, ça sert à rien, mais c'est sympa. Calibre 12, c'est de la base. C'est de la balle. Le triphasé. Tiens. Voilà, je suis un mec comme ça, je suis un mec... voilà. Fusil à émeute, qui est un très très bon flingue, qui est marrant à utiliser, et qui fout le dawa. Ouais, ça c'est les flingues, vous savez, c'était avec les... avec la famille, je sais plus trop qui, comment elle s'appelle, qui en gros utilise ça comme arme en fait. Et... bah, en fait, c'est des flingues des flingues laser. Et quand t'es bon en laser, ce qui n'est pas mon cas, parce que je suis bon en armes légères et pas en armes lourdes, il me semble d'ailleurs. Ce qui est un peu con, parce que si je veux utiliser un lance-flamme, bah je l'ai dans le baba. Bonjour. Dostalier. Bonjour madame, je pense que tu es en train de dormir. Donc tu dois être à l'étail ou quoi.
Attends, what? Ouais, ouvre la porte, ouvre la... Non, ça c'est une porte pour les chiottes. Voilà. Vous êtes au courant pour la fusillade dans un des casinos du strip? Qu'est-ce que vous faites ici? Partez à... Tout calme, c'est Crandon qui m'envoie. Ah bon? Très bien, qu'est-ce que vous voulez? Crandon a dit qu'il y avait un problème, il vais régler les... Il sait régler les problèmes. Il ferait mieux de s'occuper de ses affaires. Crandon sait s'occuper de la... Alors, vous y avez du travail pour moi? Si vous savez fouiner, vous pourriez m'être utile. Je voudrais découvrir ce que... Elle traîne sur la place de North Vegas, probablement avec des gens vivant dans la rue. Je vais aller voir ça pour vous. Très bien, marché conclu. D'abord, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça marche. Donc, il y a un mafieux qui dormait dans une baraque miteuse à côté d'une meuf qui t'engueule et qui te parle comme un rat pourri. Ouais. Ouais. Et dis donc, ce jeu est fantastique. C'est totalement la vie de maintenant. La 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 la. Attendez, je sais que tu peux faire du bunny hopping. Bonjour. Jules. Je vois passer pas mal de gens, mais pas... D'où venez-vous? Je ne suis qu'une personne qui est dans les têtes dévastées. Pourquoi ce soupçon? Parce que dans ce pays, on ne sait jamais quand on va se faire poignarder dans le dos. Et j'y tiens à mon dos. Mais j'y tiens à mon dos. Vous aurez vu ce que j'ai vu et fait ce que j'ai fait. Vous saurez qu'un rat de scorpion est plus digne de confiance qu'un visage inconnu. Je vois que vous savez veiller sur vous. Votre revolver, tellement il est poli. Vous avez l'œil. Vous aimez les armes, on dirait. La question est de savoir... Qu'est-ce que vous voulez dire, papa, ce qu'une arme? Je veux dire qu'il est important de se connaître soi-même avant de pouvoir connaître son arme. Alors on va voir. Vous vous connaissez bien? Une autre fois, pour l'instant, revenons à mes questions. Bien sûr. Je vois ce que vous voulez dire. Envie d'une petite partie de caravane. Je cherche Alice au CDI. Alice? Ah, ouais. Elle traîne trop souvent Andy par ici, sa ces temps-ci. Je la vois avec Andy et sa bande. Vous savez où il peut les trouver? Essayez le grès. Je ne sais pas pourquoi les gens vont là-bas. Au moins, avec les cabanes et les égouts, on ne risque pas de se faire aplatir. Ok. Parlez-moi de votre passé. Oh, elle est longue. Disons que j'en ai eu marre de tuer et que j'ai trouvé mieux que les terres dévastées pour abriter ma vieille carcasse. Je crois que je vois ce que vous voulez dire. Alors on va voir. Vous connaissez bien? Bien sûr que je sais qui je suis, comme tout le monde. Vous ne comprenez pas. Ça m'étonne pas. C'est pas donné à n'importe... Oh, venez me voir que vous aurez plus de bouteilles. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut améliorer ma survie? Parce que lui, je vais l'oublier, mais un truc de fou. Je le dis clairement. Réparation... Ça doit être des trucs du genre guide de survie ou un truc comme ça, non? Oh, excusez-moi. Putain, j'ai faim. Je mangerais bien une banane. Ah oui, une bonne grosse banane. L'avenir des armes est à vous, non? Le troc, non? Crochetage, non? Science, non? Nicolas Testa et vous? Oh, bah, je joue pas. C'est toujours bien ça. Non, que dalle. Ok, bon bah. Tempitch. Eh ben, allons-y. Merci, mon jeune Jules. Ah, c'est pas une... C'est pas un endroit de pute, ça. Porte vers le gui. C'est Michael Jackson, en fait. T'as Michael Jackson qui a chanté, tu sais. C'est pas l'endroit où il y a genre des prostituées ou quoi? De mémoire. La RNC devrait retourner d'où elle vient. Elle doit sûrement manquer à sa population. Inspecter le gui pour savoir où il se trouve. Bah alors, on a baisé comme des lapins? Non. On baise comme des lapins. Oh, mais c'est un dinosaure. C'est un jouet dinosaure. Parlez à voyou. Voyou? Je vais aller miser à l'aiguillon. Non, c'est pas lui. Alors, ce n'est pas lui à qui il faut que je parle. Ce n'est pas à lui non plus. Peut-être qu'elle réussira à gagner cette guerre. Qu'est-ce que vous voulez, hein?
Je cherche Alice Oster et Andy. Ah ouais, et pourquoi? Je veux simplement parler à Alice ou à Andy. Peut-être qu'ils veulent pas vous parler. Peut-être qu'ils sont plus là. C'est notre territoire ici. Il me disait qu'Andy devait savoir que Mrs. Osterial l'attend dehors, fusil en main. Quoi? C'est une blague? Merde, mais pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois aller arranger les merdiers des autres? Parce qu'il est parti, ce fils de pute, il a dû monter. Je t'ai loupé, putain. Fiki, putain, je l'ai loupé. C'est où, putain? Je me suis planté, fuck. C'est pas là non plus. Ah, fuck. Putain. Merde. J'aurais dû le suivre tel une flèche. Il a dû aller par là, je pense. Non. Chambre d'Andy. Andive. Ouais, bah écoute, pourquoi pas? Pop, pop, pop. Avec l'application pop, pop, pop. Mouillol. A priori, il y a un truc juste là-dedans. Mais là-dedans, tu ne peux pas y aller. Bon. On est caché. Je suis discret. Ouais, mon karma diminue, je veux bien. Mais bon, après, dans tous les cas, il faut bien que j'ouvre. Y'a rien. Le mec est pas dedans. Donc y'a rien. Donc en fait, je fouille quelque part, j'ai perdu du karma inutilement.